Bonjour à tous. Dans la vidéo du jour, nous allons voir comment ajouter une carte de titre sur votre vidéo. Une carte de titre va être un fond de couleur sur lequel vous allez pouvoir écrire du texte. Plusieurs options pour la carte de titre. Soit cela va vous permettre de faire le générique de début de votre vidéo ou le générique de fin de vidéo. Il va également permettre de pouvoir mettre des sous-parties sur votre vidéo. Pour cela, commencez par cliquer sur l'image devant laquelle vous voulez ajouter cette carte de titre. Donc moi, je veux faire un générique de début, donc je vais cliquer sur ma première image. Mon image est sélectionnée parce qu'elle apparaît avec un trait bleu dessous. Je vais ensuite dans mes outils et je vais cliquer sur « Ajouter une carte de titre ». Vous remarquez qu'un fond bleu est apparu devant votre vidéo. Il ne me reste plus qu'à la personnaliser. Comme on a pu voir dans une vidéo précédente, nous allons pouvoir régler la durée. Donc je clique sur durée et je vais mettre un délai de 7 secondes. Ensuite, pour pouvoir écrire sur cette carte de titre, je vais cliquer sur le bouton texte. L'écran suivant apparaît. Vous retrouvez le fond qui a été attribué à votre carte de titre. En dessous, vous remarquez que vous avez un trait gris avec une grosse barre bleue qui est indiquée titre. C'est la durée d'affichage du titre sur la vignette. Pour pouvoir augmenter cette durée, vous avez ces petits symboles au début et à la fin de la vidéo. Il suffit de les étirer pour indiquer la durée d'apparition du titre. Bien évidemment, vous pouvez demander à ce qu'il apparaisse avec un décalage. Si je décale le premier petit symbole, je vais laisser une partie où il n'y aura que le fond, et ensuite mon titre apparaîtra, et je peux faire la même chose à la fin du titre. Sur la droite, vous avez un premier cadre où vous allez pouvoir écrire votre texte. Une fois que vous avez mis le titre qui doit apparaître, vous avez des styles animés qui sont proposés en dessous. Ces styles animés vont gérer la taille de la police, la couleur de la police, etc. Vous ne pouvez pas intervenir pour choisir d'écrire en bleu, par exemple. Vous êtes assez limité dans les choix. Si je choisis, par exemple, chaleureux, il va aussitôt vous montrer à quoi ça correspond. Vous pouvez choisir également d'autres styles, par exemple aventure, il va être beaucoup plus coloré. En dessous, vous avez la disposition. La disposition, c'est l'endroit où vous allez pouvoir mettre votre titre sur la vignette. Soit en haut, en bas, à gauche, à droite ou encore centré. Suivant la disposition, vous avez pu remarquer que l'apparence va être différente. Une fois que vous avez fait ces réglages-là, vous pouvez aller choisir la couleur d'arrière-plan. Si vous cliquez sur arrière-plan, vous avez des couleurs qui vous sont proposées sur la droite. Si je clique sur une de ces couleurs, elle est prise en compte en arrière-plan. Si vous voulez choisir d'autres couleurs que celles proposées, il vous suffit de cliquer sur le plus, d'aller choisir votre couleur et de valider avec OK. Une fois que vous avez terminé votre réglage, vous pouvez cliquer sur terminer. Votre carte de titre est mise à jour. Alors, pas de panique, c'est possible que dans le scénario image, le texte n'apparaisse pas. Si vous voulez être sûr que vos choix ont bien été pris en compte, il suffit à ce niveau-là d'appuyer sur lecture pour que la vidéo se lance et là, vous visualiserez bien votre texte. Si vous souhaitez mettre un générique de fin, là, on va cliquer sur la dernière image. On va ajouter une carte de titre
et cette carte de titre, je vais la placer à la fin. Le fait de la déplacer, elle sera bien positionnée en toute dernière position. Et il suffit de reproduire exactement ce que l'on a vu précédemment, durée, texte, d'écrire votre texte, de régler la durée d'affichage du texte, de choisir le style. Pour une cohésion, je garde le même thème, je garde la même disposition et je finis par terminer. Il ne vous reste plus qu'à reproduire exactement les mêmes opérations si vous souhaitez ajouter des sous-catégories à l'intérieur de votre vidéo. Dans la vidéo à suivre, nous verrons comment régler nos différentes images pour notamment y ajouter du texte. Bonne journée à vous et prenez soin de vous.